Innovation in distance education has helped working professionals get qualified. With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. Hey, ouais, une coupe du monde en deux minutes. Coupe du monde. Mettez la faille avec du Domingos offer. Salut à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'équipe mondiale spéciale demi-finale aujourd'hui. On va commencer avec Argentine-Croatie dans la soirée et on aura demain France-Maroc. Toutes les analyses sur ce plateau comme d'habitude, des cadeaux à gagner. Et avec nous sur ce plateau, un grand supporter de l'équipe de France, Arlé Juste. Salut. Salut, bonjour. Bientôt la troisième étoile sur le maillot. Je l'espère. Mais évidemment, je ne vais pas faire comme des mois pour l'inscrire dès maintenant, je vais attendre. Mais Marc avait mis la sixième, on s'en rappelle. Exactement. Et il y a aussi Kevin Lui avec nous, grand fan de l'Angleterre et de Manchester United. Bon, un peu déçu quand même. Bonjour Osman, merci pour l'invitation. Malheureusement, les Français ont été plus réalistes que les Anglais. Exactement. Ça, la beauté du jeu. Bon, Monsieur Olé, aussi Chamsel, il finit mettre sa couleur bleue. Exactement. Et... J'attends le mercredi soir avec impatience. Mais enfin, une affaire que j'ai envie de dire, hein, c'est que pour moi, et si la France partit jouer contre Maroc, moi je suis 100% lié à Maroc. Mais malheureusement, ça fait plus de 40 ans qu'ils m'ont supporté à la France. Et bad luck pour Maroc, moi pour vous dire, à l'encontre du continent africain. Mais pas être à cas depuis. Le match de samedi, Marocain a beaucoup beaucoup fans de Maurice. À Maurice. Ouais. Et peut-être Kevin plus aime ça tout à l'heure. Exactement. Et nous vous faire un retour sur les éliminations de l'Angleterre et du Portugal. Zoom sur les deux finales. Deux demi-finales qui peuvent atteindre nous. Et quatre jerseys aussi à gagner de la marque Kappa avec notre sponsor Rewind Active. Donc on aura 4 jerseys des demi-finales, donc les deux perdants et les deux vainqueurs qu'on distribuera dans la prochaine émission. Et nous pour expliquer où t'allais, comment vous avez fait à pousser. On vient de retrouver le ballon expédié par Harry Kane lors de son pénalty manqué en quart de finale de la Coupe du Monde, lors du match Angleterre-France remporté 2-1 par les Bleus. Selon la NASA, il a atterri bien loin de la Terre, mais heureusement dans un endroit non habité, personne n'a été blessé. Et on a aussi retrouvé une vidéo où il s'entraînait avec Johnny Wilkinson à tirer des drops. Mais malheureusement, la réalité a dépassé la fiction. Kevin, si tu es en place Kane et qui tient un bout de penalty contre un goalie qui connaît ou parfaitement, qui partage l'entraînement avec vous, et qui tu peux faire exactement? Moi, je peux c'est notre coéquipier tient un penalty là, parce que vu le gardien de but, il est capable taper. Non, mais oui, exactement. Enfin, c'est mon préfet, un autre du monde raté que moi. Dans sa lettre, parce que goalkeeper là, moi aussi, elle connaît qui côté mon petit Hamoul là. Allez, vous d'accord avec sa explication? Non, parce qu'un penalty, c'est un. Pour moi, les 50-50. Hein. Soit les gagner, soit les mettre, soit pas mettre. Parce que soit goalkeeper barré, soit les déo, bien les rentrer. Hein. Mais moi, si j'étais à la place de Kane, moi, tu pourrais aller pareil que moi le premier. Parce que goalkeeper, moi, pour attendre qu'il me boutille à Paris. Il vous dit, bon, mais un coup de tenue sur mon gosse, c'est vrai, c'est vous à vos droites. Mais moi, je suis plus pareil. Mais vous trouvez quand même assez injuste quand on lit aux bains de réseaux sociaux, bains de réactions, bains de supporters anglais surtout. The tout petit allo Harry Kane, The Bessa Bouglan finit nous Coupe du Monde, il élimine nous, mais quand même, c'était le sauveur et jamais tira un penalty avant. Est-ce que c'est pas trop dur avec lui finalement? Mais c'est ça le côté méchant, mesquin, moi, vous êtes des supporters. Bon, peut-être que moi, je suis comme ça à un certain moment, mais il est arrivé que c'est la pression qui fait réagir pareil. Parce que. Pour eux, c'était l'attente d'une finale après 56 ans.
Bon, quoique c'était encore une finale, vous avez atteint une finale, ok? Bon, vous êtes perdu à cause d'un égal, ça ne peut pas l'arriver, mais rien ne vous dit qu'en prolongation, la France va se faire gagner, hein? Même au tiers de pénalty. On ne sait pas. On ne sait jamais. Ouais, nous ne vous connaissons jamais. Bon, mais c'est malheureux qu'il. Enfin, c'est malheureux pour l'anglais, mais moi, heureusement, hein? Ok? Qu'il ignore ça. Et c'était un soulagement pour la France. Et bien sûr, c'était une affaire. À ce moment-là, précis, nous finissons qu'on est qui la France en demi. Parce qu'il ne restait même pas grand-chose à jouer à ce moment-là. Une 10 minutes environ au maximum, qui aurait dû jouer une 12 minutes. Mais, bon. Mais Kevin nous a dit quand même que le match tenait ses promesses. C'est exactement, un match très tactique. Nous satisfait avec l'Angleterre. Exactement, un joli football. L'Angleterre domine la France. Beaucoup d'occasions, mais malheureusement. Nous satisfait de Gareth Southgate sur le banc. Enfin, je suis un peu pessimiste sur lui. Il y a un petit peu. En fait, c'est lui qui peut cristalliser avec tout le monde. Exactement. Sur Antarctique, on pose un peu de questions sur cet Antarctique. Parce que tu as un banc exceptionnel, mais il ne sait pas comment faire bien jouer ensemble ces joueurs-là. Mais il nous a fait acquis. Enfin, disons qu'il n'a pas une analyse critique juste et comme il faut. Hein. Moi, d'abord, ça, je ne vais pas tirer ça. Parce que le bouc, il peut être un tracard, il y a un de la France. Ouais. Et non, il fait gagner tout tourné pour capable arrêter lui. Et quand c'était faute, il n'y a pas l'olé. Saka, c'est le meilleur joueur. Hein, le meilleur joueur. Meilleur que Foden. Je ne peux pas comprendre comment il tire Saka. Et moi, je vous dis grand merci. Bon, grand merci pour moi en tant qu'il fait l'Arsenal. Oui, pas fatigué. Vous devez le reposer. Ok. Et deux, il a arrêté. Il a arrêté fatigué. Il a commencé à l'Andé comme ça. Parce qu'il bougla, il peut. Et moi, je disais, à un moment, mon pépé a qu'il est blessé. Bon, messieurs, finalement, le match Loki Linzwe, c'est la tête de Giroud, parce que quand même, tient une grande mainmise des Free Lions. Et je suis capable de gagner. Loki, ça ne fait la différence finalement. Bon, moi, pensez la différence, il me fait. Le moment qu'il a fait aussi une vigne NN, l'Angleterre continue à pied. Et nous nous remarquons qu'il descend qu'il vient faire, il vient subir, accepter subir, parce qu'il y connaît devant qui est là. Ok, il y connaît qu'il devant avec Mbappé, qui est Mbappé, quand nous nous remarquons, comment il gagne une boule, un vigne prend ce. Un vigne attaque lui, deuxième vigne anticipo, un troisième déjà peut attendre. C'est un moment qui est là. Qui prend la nouvelle, c'est l'autre côté. Et nous remarquons qu'Mbappé n'est pas trop plus boule, il peut plutôt faire passe. Parce qu'il y a une collègue qui peut une attaque l'Oli, enfin, attaque en guillemets. Alors l'Oli préfère God faire ce jeu autre qu'il y a petit faire. Et puis il tient un champ de garde quand même très efficace. Très efficace. Skywalker, oui. Il vient faire ce match. Il vient faire ce match. Même il trouve un remake un peu du duel City-PSG quand tous les deux. Exactement. Il y avait Skywalker, il y avait même Henderson qui était à côté de Skywalker pour en couverture. Donc comme j'avais dit la fois dernière, il y avait un plan anti-Mbappé. Mais tu as vu que Griezmann était plus libéré cette fois-ci que Griezmann, finalement, est devenu un peu le joueur clé exactement des Blues. Et messieurs, il y a un gros problème avec la sélection d'Angleterre. À chaque fois, vous êtes attendu, à chaque fois, vous êtes paraître favori, vous êtes énormément grand joueur, vous êtes joué un bon football, vous êtes mettre beaucoup de goals. Mais finalement, depuis 1966, vous n'avez pas gagné rien. Et quand est-ce que ça peut arrêter? Bon, c'est navrant vraiment, hein. Moi, je suis supporter de France, quoi. Moi, je suis les Bleus depuis bon, X nombre d'années, 40 ans passés, moi aussi pour la France. Et quand même, maintenant, si, sous l'Angleterre, parce qu'il. Bon, nous sommes Premier League. Nous sommes Premier League, nous sommes Tenta. Nous connaissons le football britannique, le football anglais en général. Bon, c'est navrant qu'ils n'aient pas été capables de faire grand-chose. Mais pensez peut-être que l'excès de bons joueurs, ça aussi, les cas jouer contre eux. Qui fait, parce qu'il arrive un moment que tu entraînes là, le coach, il n'est plus connu. Premièrement, il n'est plus connu que ça n'est plus dans 26. Là. Exactement. Il y en a une centaine de joueurs qui sont capables de faire 26 là. Il arrive à faire un mauvais choix dans le premier temps. À ça, quand il y a les 26, qui sont 11 premiers pour débuter là. Maintenant, est-ce qu'il y a 11 premiers? Est-ce qu'ils ont merge? Est-ce qu'ils ont un jeu d'ensemble? Est-ce qu'ils ont un osmose? Bon, il y a une époque qui, maintenant, tu peux dire Arsène Wenger, tu peux un bon entraîneur parce qu'il connaît tout le monde. Il connaît tout. Est-ce qu'il peut un osmose quand même avec les 11 premiers? Bon. C'est ça le problème de l'Angleterre actuellement, c'est qu'ils n'ont pas été capables de gagner l'équipe côté de l'Osmose. Est-ce qu'ils ont capable de créer une équipe B? Une équipe B qui est aussi compétitive. Parce qu'à partir de là, qui nous peut trouver si l'équipe B là est capable de faire mieux que l'équipe A? Et là, je choisir. Bon, quand je vais gagner une coupe, God knows. Parce que même en 2026, là, j'étais une équipe qui est capable d'arriver en 2026. Bon, nous, cause 2024, championnat d'Europe avant. Est-ce qu'ils vous délivrent? Oui, je vous délivre. Mais est-ce qu'ils vous arrivent en finale?
Peut-être. Est-ce qu'ils ont gagné? Va te la question. Est-ce que Southgate pourra imiter le joueur Kim Lowe? Est-ce qu'il sera vrai pour toujours là? Par quoi il pourrait rester, hein, c'est ça la question. C'est la question. Une grosse pression dans le jour à venir, un grand déballage de la presse. Et qui sera là pour le remplacer? Ouais. Là. Et l'autre événement de Savan Cor de finale, là, c'est l'élimination du Portugal de CR7. Est-ce qu'il... où tu trouves ça, Vini, Kevin? Malheureusement, non. On voyait tous que le Portugal allait passer facilement, mais ça se joint du tout au Maroc. Plus que défendre. Ouais. Une transcendée, même un football extrêmement défensif. C'est l'occasion et la balle est dans le but des Portugais. Et même en deuxième mi-temps, j'ai accepté la position au ballon aux Portugais. Je défends, j'ai bien cadré le terrain. Portugal, pas de récit, deliver the goods. Même l'entrée de Ronaldo n'a pas apporté grand-chose. Allez, finalement, ça a joué un petit peu... en faveur des supporters français qui peuvent atteindre le Portugal, finalement, qui hérite du Maroc. Non, donc, pour dire, ceux qui préfèrent le Portugal. Pourquoi? Parce que quand Portugal vous venez, il vous est ouvert. Il vous est football. Exactement. Il n'est pas pour venir contenir en défense, comme on le peut expecter pour arriver avec le Maroc. Ouais. Hein, parce que, bon, c'est vraiment le Maroc plus dangereux pour vous? Plus dangereux pour moi, parce que, bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire un match Maroc-Portugal là complètement, mais c'est une fonction. Moi, j'ai toujours mon téléphone tric-triqué de temps en temps. Bon, ce qui est mon récit tout mauvais, c'est que bon, Kevin Peters, le PSG, juste pour faire les 90 minutes passées, et qu'on gagne l'occasion, mettre un goal, après, arrive le jeu pareil. Bon, par contre, avec Portugal, je pensais que la France, si pourquoi pas jouer ce football, pour avoir une ouverture, pour y en tout. Parce que Portugal peut venir pour y aller en finale. Oui, c'est un match ouvert. Ah ouais, tous les deux viennent en finale même, mais ouvert. Et pour ouvert, Portugal, si pour ouvert, il a envie de mettre goal, il va pouvoir qu'il ne peut pas encaisser. Par contre, Maroc peut venir pour ne pas encaisser. C'est la différence sera là. Et quand il ne peut pas encaisser, plus difficile pour la France parce qu'il peut être des mirailles, pour un goalkeeper qui nous trouve exceptionnel. Impressionnant, oui. Impressionnant le gardien marocain. Mais est-ce que la France pourra faire quelque chose? Pour moi, il est plus difficile contre Maroc qu'contre Portugal. En tout cas, il y a l'autre du monde qui termine en l'homme et il y a beaucoup de supporters qui veulent dire comme ça que sa Coupe du Monde là est finie, pas besoin d'inquiéter, l'Angleterre est perdue. Ronaldo est allé, Brésil est allé, et nous pécose bien sûr de Neymar qui termine en l'homme. Et est-ce que ça, élimination de Brésil, là finalement, c'est pas ça la plus grande sensation du mondial? Alors que tout média, je peux dire, il peut le gagner. Pour moi, vous dire tout franc, motif expect Brésil, pas pour gagner comme du monde encore. Mon analyse, c'est que le Brésil qui nous connaît maintenant en 2000, les années 2000, c'est plus ce Brésil qu'on a connu dans les années 80. Moi, ça fait très longtemps que je suis football, mon compte Brésil, 70 on va trop connaître parce que je suis trop petit, mais des années 80, mon compte Brésil. Technologie aidant maintenant, Brésilien n'est plus Brésilien, c'est Européen. Ok, les années 80, Brésil, le championnat, si vous êtes, la majorité des joueurs qui suivaient la Coupe du Monde, c'était des joueurs qui évoluaient au Brésil. Ouais. Techniquement, tactiquement, je suis Brésilien. Même Pelé, l'Inter Santos, ils amènent vite en Europe. Ok. J'ai 10 jours qui nous gagnaient, dans sa 26 Brésiliens, pourquoi 22, pas 24? 24. Jouer en Europe. Donc, le football est européanisé. Et technologie aidant, tout le monde connaît comment le Brésil joue. Donc, c'est plus mais le Brésil. Mais on a quand même un problème parce que depuis 2002 qu'ils ont gagné la Coupe du voilà, Monde. Mais c'est ça. C'est jamais ça. Ils ont traversé le score de finale. Voilà, c'est ça qui me fait. Ils ont gagné, battu, ils ont encaissé 7 goals avec l'Allemagne à domicile en 2014. Mais depuis tout ce temps-là, pas fini dans une remise en question. Le football n'a pas évolué comme un petit bizarre. Je pas fait une réforme, au fait. Je ne compte pas d'individualité. Ouais, je ne compte beaucoup d'individualité hein, pour faire et une équipe. Et quand nous trouver, ce n'est pas les individus qui font une équipe, c'est un ensemble. Et puis nous trouver aussi qui s'amène latéral. Là, nous n'est bien dans un Cafu. Nous n'est bien dans Roberto Carlos. Oui. Daniel Alves, malheureusement, il est un peu dans l'âge. Oui, il est plus dans l'équipe comme ambianceur, dans les vestiaires. Mais finalement, même latéral brésilien, assez faible. Et c'est un peu à contre-emploi. C'est plutôt des fans qui attaquent. C'est plus des fans qui attaquent, contrairement à Carrefour et Roberto Carlos. Mais nous, pas tout le Brésil, nous mettons un bon latéral droit dans la Coupe du Monde. Il n'est pas si même. Côté gauche, il y avait Alex Telles et Alexandro, mais ça dit là, je n'ai pas évolué même dans ce club, mais comment se carrer dans la sélection? En tout cas, bien triste pour le Brésil. Nous faisons une petite pause pub et nous revenons dans quelques instants. Innovation in distance education has helped working professionals get qualified.
With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. Hey, ouais, une coupe du monde ennemineuse. Coupe du monde, mettez la faya avec le Domingos offer. On passe à notre jeu concours, 4 Jersey Kappa, des 4 demi-finalistes du mondial à remporter grâce à notre partenaire Rewind Active. Et comme chaque semaine, nos cadeaux en partenariat avec Foot 80, Super Bowl et Vivo Energy qui offrent un ballon de foot Shell. Justement, on va le tester ce ballon. Oh, super gardien de but. Bon, là, bon, c'est pas une boule. Ah, top, hein. Ouais, c'est bon. Ok, c'est le ballon à gagner avec Shell et nous rappelons autres qu'ils ont téléchargé l'application Shell et ils ont cumulé ben points quand ils ont fait ils ont plein d'essence l'application Shell Club et donc capable remporte tout ben cadeau de Shell et notamment ce ballon. Et la question de la semaine dernière c'était contre qui les Pays-Bas ont perdu la finale de la Coupe du Monde 1978. C'était contre l'Argentine. L'Argentine, malheureusement. Ouais, c'était l'Argentine, c'est ça. Exactement. Et le vainqueur, c'est donc Farzana Mahmoud. Donc, félicitations à elle. Et la question du jour, combien de finales de Coupe du Monde Lionel Messi a perdu avec l'Argentine? Une question assez facile. Des jerseys à gagner, des goodies, l'équipe. Donc, précipitez-vous en inbox sur la page l'équipe. Vous avez nous la réponse. Et puis, votre numéro de téléphone. Et si votre nom sorti, pour parmi les heureux gagnants. Messieurs, nous pouvons causer un petit peu sur le Maroc qui fait un exploit retentissant. Je peux dire que là, qu'il n'y a pas un football terrible, tout ça, mais seulement, c'est un vrai tactique physiquement, je suis là. C'est un équipe qui n'a pas joué avec la chance. C'est toute une préparation aussi solide qu'il y a un européen, qui tout bien l'équipe qui se peut affronter. Ils battent la Belgique, ils battent le Canada, ils éliminent l'Espagne, ils éliminent le Portugal. Maintenant, je peux menacer la France et nous trouver qu'il y a des champs et menaces. Peut rester un peu sur ses gardes. Mais quand même, nous trouver que le Maroc, il récit là où le Ghana n'a pas tiré sur en 2010, le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 aussi. Et qu'il n'arrivait que le Maroc, c'est l'équipe qui finalement récit traverse sa dimension. Bon, vous pensez que c'est le fait qu'il y a l'outsider, les autres, pas de prendre lui aussi ailleurs. Simplement, bon, il y a Zedvini. Et puis une défense super solide. Ouais. Un seul but encaissé. Oui, ça c'est dans un deuxième. Ouais, dans un et deuxième. Et aucune défaite aussi. Aucune défaite. Et un goalkeeper exceptionnel, comme on le fait que là, hein, c'est un gardien. Bon, franchement, il n'est pas trop connu parce qu'il est Valence, mais c'est Vini, non, il est Valence. Pourquoi ouais, c'est le gardien de Valence. Valence. Ok. Bon, je suis football espagnol, mais pas vraiment comme la première ligue. Et mon découvert ce gardien-là, mon trouvé sur un placement, sur vision, sur tout. C'est quelqu'un de très fort. Un grand gardien. Ouais. OK. Et quand on a un arrière-garde qui peut tenir lié, ben, c'est logique qu'il se doit, c'est le goal, ça c'est le premier temps. Et ensuite, je le joue à tout. C'est-à-dire la solidité. Hein? Quand je finis musclé pour tout, ben, attends, maintenant, je vais moi, je vais se défendre. Et quand on gagne pour taper un coup, m'arrête. Et puis nous avons l'entraîneur Walid Regragui qui nous finit juste 3 mois avant la Coupe du Monde. Mm-hmm. Après le limogeage de Vaïdani Lodzic, nous rappelle qu'il tient un problème avec. Hakim Ziyech tient un clash entre les deux. Finalement, Ziyech une mise à l'écart. Finalement, la pression populaire qui dit ramène-li. Donc là, Ali Lodzic qui n'a allé, Regragui n'a invini. Regragui, c'est un fils du sol, un Marocain qui est proche du peuple, qui connaît le championnat, qui est entraîneur de Wydad Casablanca. Et donc, c'est un joueur qui ne réussit à ramener les troupes, qui est proche de ce bon joueur. Et donc c'est comme ça que ça l'équipe là, une construire petit à petit. Ouais. Et c'est aussi un deuxième exploit, c'est la première fois qu'une équipe arrive en demi-finale de Coupe du Monde avec seulement 8 matchs. L'entraîneur là, il a dit ça depuis 8 matchs. En lutte, mon collègue. Donc ça aussi c'est un exploit. Ouais.
en arc et demi. Tu as trouvé une cohésion dans l'équipe. Là. Vous travaillez en équipe, vous défendez en équipe, vous attaquez en équipe. Et là... et est-ce que c'est l'équipe-là qui a gagné la Coupe du Monde, Kevin? Enfin, moi, je trouvé si. En tout cas, toute l'Afrique et le monde arabe derrière. Enfin, possiblement, n'oublions pas, en 2004, avec la même tactique, la Grèce tirait un euro. Que personne ne peut s'attendre à la Grèce à ce niveau-là. Mais tu as trouvé mais le Maroc. Quand même, un petit problème au niveau physique. C'est-à-dire que l'équipe est très fatiguée. Jeune gagne contre rouge, jeune gagne. Ouais. Jeune capitaine est blessé, il sortit en l'homme au dernier match. Quand j'ai plusieurs. Est-ce que ça a usé un physique-là, finalement, et pas pour de trop face au bleu? C'est possible parce que la France est l'équipe expérimentée et ils ont joué plusieurs matchs à 120 minutes, moi, pensais, depuis sa Coupe du Monde-là. Et que. Est-ce qu'ils ont pris dans la force. Le stamina pour tenir ça. Et surtout qui nous connaît, qui. La France avec ce Griezmann, avec ce Mbappé, est-ce qu'ils. Ben là, pourquoi pas tenir. Bon, c'est vrai que peut-être qu'ils pourraient tenir pendant les 20-30 minutes. Et à demi-temps, à la rigueur. Mais moi, pensais, en deuxième mi-temps, bon. C'est pas pour qu'elle arrive. Tout peut arriver. Tout des habitants, moi, puis ça, je pousse souffrir. Ouais. Mais Kevin, attention, qui je t'amène le petit olé jusqu'à tir au but encore. Ah. Le risque contre le gardien marocain, de voir qu'on est pas arrivé. Ça, c'est la loterie. Hein. La loterie. C'est la loterie, là. En tout cas, le risque, qu'il batte le record de sélection aussi. De sélection de Boateng et de Thuram en général, les deux. Ouais, hein, les deux. Ouais. Enfin, en tant que gardien. Ouais. Même Giroud qui se met à buter français. Exactement. Et deuxième demi-finale, Lippo oppose l'Argentine à la Croatie. Tout du monde peut dire que c'est la dernière de Lionel Messi s'il est gagné pour peut-être considérer comme le plus grand joueur de tous les temps. Mais est-ce qu'il ne sait pas justement sous-estime sa Croatie-là, qui vraiment est l'équipe qui peut déjouer tous les pronostics, un peu comme le Maroc? Et est-ce qu'il finalement n'est pas proche d'un remake de France-Croatie, justement? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et pas oublier, c'est la dernière de Modric aussi. Ouais. Ouais. Parce qu'il m'a pas coûté un carton, je suis en 41 ans, contre Lippo Cavari, il fait une Coupe du Monde. Bon, c'est la dernière de Messi, oui, c'est la dernière de Modric. Mais moi, j'ai l'impression qu'il nous pourrait faire une remake. France-Croatie? France-Croatie, encore une fois. Bon, c'est pour exceptionner parce qu'il. Bon, pas quoi, déjà il y a une Coupe du Monde contre. Il y en a deux fois la même. Deux fois les mêmes finalistes. Je ne peux pas penser. Enfin, bon, j'ai le faire recherche, mais je ne peux pas croire qu'il y a déjà ça. Bon. Ça compte pour l'histoire qu'il y a dit. Évidemment, pour l'histoire qu'il y a, la France crée une autre histoire. Garde ce coup. Parce que pourquoi on dit Brésil, il vient 58-62. 58-62, c'était Brésil. Brésil. Et Uruguay, tu gagnes les deux premiers. Ouais, mais ça, bon, les deux premiers. Le premier mondial, mais ça remonte aux années 30 quand même. Hein. Ouais, ça, c'était l'époque Matusalem. Bon, on n'est pas trop contre pourquoi l'Uruguay, parce que je crois qu'il n'y avait que 8 équipes, pourquoi tu prends pas la Coupe du Monde là. Ouais. On n'est pas capable vraiment trop contre ça, des années 30. Mais donc, disons, dans le football moderne, et si la France fait ça, c'est pour God, ça, c'est. Et pas un exploit. Et pas un exploit, hein, c'est pour God, ce coup. Enfin, moi, je trouve un léger avantage à l'Argentine. Parce que Martin Touvé, l'Argentine, c'est tout PG pour Lionel Messi. L'époque qu'il est, elle a fait différence au cours du match. Donc, peut-être. Vous pouvez dire ça à cause d'un petit joueur à Manu aussi, là, non? Ah, Lisandro. Oui, la défense de l'Argentine est pas mal avec lui. Mais, avantage, comme je dis, à l'Argentine. Et puis, Croatie est considéré comme le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Avec Bozovic et compagnie. Avec un demi vraiment très, très solide. Oui. Et est-ce qu'ils ont pensé le match pour jouer au milieu de terrain, finalement? Oui, il est pour milieu de terrain et il est pour. Tout vous dépend la formation de l'équipe. Exactement. Moi, j'ai l'impression peut-être qu'il a aujourd'hui qu'il a fait 3 hier aussi. Comme. C'est pour les blocs à midi, là. Oui, hein? Comme en Pays-Bas, j'ai 3-5. Voilà les blocs midi des Pays-Bas, net. Voilà. Ce que Alizé a fait aussi, Kevin, c'est que finalement, sa première défaite contre l'Arabie Saoudite, là, c'était un. Blessing in disguise, parce voilà. Que depuis ça, nous trouvons un autre argentin. Oui, oui. Ouais. Bon, ben quand je gagne un coup de fouet, hein. Oui, c'est vrai, parce que je me prends tout pour acquis. Je prends tout pour acquis que c'est déjà gagné d'avance, parce que, ok, non, allez, mais ça c'est correct. Mais je ne connais qui, il faut se bagarrer. Il faut se bagarrer, voilà. Voilà, on a fait le tour de ces demi-finales. Je vous souhaite tous les deux bon match et bonne fin de Coupe du Monde. Merci. Merci. Et peut-être la troisième étoile pour vous, et peut-être un joueur de Man United sacré pour Kevin. Pourquoi pas? À bientôt pour la finale avec l'équipe mondiale. Ciao, ciao.